à tort ou à raison, j'ai du mal à m'investir, et la campagne électorale nous a aidés quand même, dans ces débats économiques, sans avoir d'abord une idée de s'il y a des dettes, il y a des créanciers, qui sont-ils ? Il y a eu une petite phrase tout à l'heure très rapide. Il me semble que c'est une question technique. Est-ce qu'il y a des documents qui nous donnent des réponses plus ou moins fouillées sur qui possède la dette ? Et notamment, je trouve que ça n'est pas sans importance, sur y compris les programmes des partis politiques quant à l'éventuelle rediscussion de la restructuration des dettes ici ou là. On a des informations globales sur qui détient la dette publique française, globale et peu satisfaisante. Hein, on sait qu'une partie importante de la dette publique française est détenue, grosso modo 40% aujourd'hui qui est détenue en France par des sociétés d'assurance françaises et par des banques françaises par l'intermédiaire des SICAV ou des fonds de commun de placement. Par exemple, pour garantir les retraites ou des choses comme ça, il y a 60% qui est détenu à l'étranger par un certain nombre de fonds de pension étrangers, ce sont des réserves des pays arabes, de la Russie, etc. La France est allée vendre sa dette publique à l'étranger en disant c'est une dette publique extrêmement sûre, en disant la France a un système fiscal extrêmement qui fonctionne, et donc on en a vendu pas mal à l'étranger. Par ailleurs, un certain nombre de banques françaises ont préféré acheter des titres étrangers parce que c'était plus rémunéré, mieux rémunéré que la dette française. Donc les banques françaises ont acheté de la dette publique grecque, de la dette publique espagnole, parce qu'il y avait un petit écart, c'était par rapport à la dette française. Et donc on est dans cette situation un peu inextricable en Europe où tout le monde détient un peu de la dette publique des autres pays. Pour compliquer l'opération, il faut savoir que le pays étranger qui détient le plus de dette publique, c'est le Luxembourg et deuxièmement les îles Caïmans. Ce qui veut dire qu'on ne sait pas qui les détient, puisque c'est par des montages. On soupçonne qu'en fait, c'est des Français qui les détiennent par des montages. Donc voici ce qu'on sait.